Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti, tout seul, comme des grands, pour la suite de Dying Light 2. Parce que j'ai perdu mes collègues, voyez-vous. Et donc du coup, la dernière fois on s'est laissé sur un Bugsm. D'ailleurs, bah, c'est le même, donc on le fera peut-être avec le... avec Rhythm, avec Papisme. Parce que tout seul, ça va être un peu compliqué, il y a un peu de... Donc du coup, ce que nous on va faire, c'est qu'on va poursuivre tranquillement... ici. Voilà. 63 mètres au-dessus, du coup. Il y a un crochet par là ou... Il n'est pas facile d'utiliser ce machin, c'est immobile. Hein. Et on va tâcher d'atteindre le dessus. Yes, ça m'a rien donné du tout, cool. Vie ma vie. Ok, bon. Ah mais il est pratique ton machin là. Très très bon ça, non? Sale bête. Culé. Attaché d'atteindre le dessus. À 50 mètres au-dessus encore. Yes. Mais c'est où? C'est au-dessus de nous. J'ai rien pour y aller. Ah cool. Yes, je me suis cassé la gueule, cool. Bon, j'avais pas 15 000 essais, va falloir que je ressorte. Ah bah ils viennent en plus. Allez vous coucher bande de bâtards. Ok. Après. Falloir monter là au-dessus. Restez au bas vous. Bande de gros bâtasmes. Faut que je redescende non? Elle est pas facile cette zone je trouve. Ah non. Ah yes. Alors attendez. Bah yes, où c'est que c'est la sortie? Enfin pour monter. Ok. Et après. Bah merde. Comment on monte? C'est où la montée? Ah cette zone hein. Comment ça tutut? Pourquoi il a fait tutut le con? Ah il va être nuit. Ok cool. Mais je m'en fous au conteneur. Il va faire nuiter les petits et ça sent le cul. Bah ouais mais comment on monte là-haut, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on monte? On est obligé de passer. Bah non, on peut pas passer par là-dedans, ça nous fait redescendre. Je comprends pas comment on monte là-haut moi. C'est... On peut monter sur les lames de mer là? Yes. Ok. Bah monte! Ok, cool. Bah non, on peut pas. Bah comment je fais? Mais... Qu'est-ce que c'est? Satanerie. Mais monte! Là, ok, yes. Déjà fatigué avant de commencer, moi. Ah, ok, ça, ça change rien. On va jamais atteindre la mission là-haut. Ok. Il y a du monde dehors. On les entend, les bataux. Il y a du mundo. Ça, ça fait où quand même hein? C'est zannerie là. Ah, je pense que c'était pas comme ça qu'on devait passer normalement. Mais bon, écoutez, moi je fais un masso 6. Ok, yes, putain, on est en zone bleue. Pff, quel enfer. Bonjour madame. C'est ma faute.
Est-ce que ça va? Ah, tu vas pouvoir nous aider à sauver notre couple. Ah, les feux de l'amour. Arrêtez déjà de vous prendre la tête, non? Tu as raison. On arrête tout de suite. On s'aime tellement, c'est ridicule. Mais... oui. Mais sans ail. Ni sardines. Donc, vous pouvez vous réconcilier qu'autour d'un plat de sardines et d'ail? Sérieusement? Oh, oui. Où est-ce que je vais trouver de l'ail et sardines? Tu mettrais un coup de zizi, ça irait pareil, non? Qu'est-ce que je te disais? Il y a encore des gens bien dans le monde. Je dois réfléchir où trouver des sardines. Un instant. L'ail sauvage pousse ici et là, sur les toits des plus hauts bâtiments. Elles sont où, ces sardines, alors? Bah, dans c'est l'eau. Ça. Il y avait un convoi. 4 camions remplis de sardines de super qualité. Mais ils ont eu un accident. Une horreur. Les boîtes se sont dispersées un peu partout. Horrible. Mais je sais toujours pas où les trouver. Donne-moi une minute, juste une minute. Tu ne t'en souviendras pas. Je vais lui dire. Comme je disais, elles sont éparpillées un peu partout dans le foin et arrête de souffler quand je parle. Ok, ok. Vous entretuez pas avant mon retour. Nous? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh là là, les feux de l'amour. Nous n'avons que des douces paroles, l'un envers l'autre. Douces paroles? On dirait plutôt du langage de charretier. Calmez-vous et bougez pas. Je vais les trouver, vos sardines. Ok. Prends le panier quand tu es prêt. Je t'indiquerai où sont les sardines. Oh, il plaît, on fait les courses, les feux de l'amour. On va faire qu'une demi-heure aujourd'hui, monsieur, mais étant donné qu'on est tout seul. Au lieu de faire une heure, c'est mal. Oh, mais c'est un défi. Vas-y, je le... Non. Bah, si, j'aurais dû. Attends. X. On va s'en faire un pendant qu'on est tout seul. Il y a un pieux. Je suis jamais en rupture de stock. Copain. Tu cherches quoi, l'ami? 65, yes. Donne-moi voir, toi, tout seul. Bonne idée, mon pote. Allez, on se le fait pendant qu'on est tout seul, histoire de voir. Vas-y. Abdoulida, t'es mort. Prêt, partez. Partez, Zman. Ouais, c'est du parcours, quoi. Ok, yes. C'est haut, hein. Faut pas avoir le vertige, mais... Yes. Non, je crois qu'il y avait une tyrolienne en cours de route, hein. Il y avait la tyrolienne, là, hein. Il y avait des abeilles. Mais avance, bougre d'andouille, il est bête, ce mec. Ok. Moulin avant. Ah merde, on n'a pas fait celui-là. Tant pis. Il n'y a pas de l'air par là, là. Je vais être obligé de descendre. Ah, descendre, ça me fait pas trop confiance en fait. Yes. On va se faire tuer. Hein. On va se faire tuer. On verra bien. 60 mètres au-dessus. Faut trouver un zinzin là qui nous envoie de l'air là-haut là. Ah, y a un truc ce matin. Ça monte pas assez haut ça. Hein. Mais monte. Bah, ça monte pas assez haut non plus. Yes, ça suffira pas, bon, on va le prix. Allez, monte là-haut, là. Bien sûr, j'étais pas au bon endroit, hein, après, je fasse le tour du bâtiment. Comment on monte là-haut, bordel de merde, à cul. Pas. Yes.
comment je fais? Mis à part par l'autre bâtiment en face peut-être. Ok. Et puis le dernier, il est là-bas. Yes. 3 minutes, mais... Putain, j'ai mis du temps, yes. Hop. Bon, je prends les machins, hein. Fuck. Ami, il y a des fois, j'ai peut-être meilleur temps de courir, hein. De me faire chier avec ça. Oh, c'est loose. Oh, ça me pète les couilles, je refais pas. Ok. Oh, fait chier. Ça m'a dit quoi sur la carte là? Alors, j'ai eu. Oh, putain, ça c'est une anomalie, un bordel, un machin du géreusme. J'ai eu un moulin sur la route. Peut-être aller faire un maison là. Vas-y, on va aller voir. 140 mètres. Tâchez de rester en hauteur hein, parce que un peu la nuitée. Mais c'est là les conteneurs d'inhibiteurs. Ok. T'aimes pas du tout ça, c'est une cabane au milieu, on la fout. Hop. Comment on l'active? Hop le cop. Très bien. Très très bien. Des planques. Après, on a vu un moulin que je n'ai pas déverrouillé, ce matin. Il est où le con? Là, c'est un parachutage. On va attendre les autres. Les gangsters de Mosby. Activer une zone sécurisée. Récupérer des armes et équipements. De l'équipement. On va peut-être attendre les autres encore une fois. Là il y a un moulin, voilà. On va aller faire le moulin, tant qu'on est que nous. Comment ça tute? J'ai pas besoin de tutute. Mais j'avais rien demandé, hein. Yes. Excusez-moi. Ah. Ah. Putain, on a fait ce que c'est la gueule en plus. C'est là-bas. On va parachuter, ce mais... Sans problème. Éviter de se faire arracher l'anus. On va aller là-bas. Je vais pas avoir assez d'énergie. Yes. Récupère, récupère. Il est chaud. Hein. Un chaud huc. Hein. Le machin il a 80 mètres à droite aussi. Ah yes, ah oui d'accord. On a pas donné l'effet escompté. Putain on est dans la merde. 70 mètres. Bon je fonce. Fuck. Et Hurlord, mais... Nous, le con, il a 40 mètres au-dessus. Faut trouver un moyen de monter, hein. Non, non, y a pas de poursuite. Fuck. Y a pas un truc pour faire du vent, là? Parlez-vous, vous me détruisez. Excusez-moi, madame, je passe. T'as pensé à ta gueule, Voldemort. Rien à foutre.
65 mètres, ok, yes. Y'a pas un truc qui fait du vent là? Vas-y, niquez vos mains, là. Deux minutes. C'est un plan sexe, ça. Je dirais même plus. Un vrai plan sexe. Il y a plus du monde, ce coup-là. Ah là, il y a du vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, divers. Allez, on avance, viens, viens. Je sais pas où ça m'amène, mais ça m'amène, hein. Niquez voir, bon, 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 bon. Lampe, la lampe. Attendez, je respire. Et je suis à vous, hein. Tu vas? Yes. Soignation. Tout va bien. Mets ta main pour voir. Voilà, hein. On éteint la lampe. Oh. Oh, yes. Bon, ça me donne pas ce que je voulais, hein. Pas du tout. 45 mètres, c'est au-dessus de nous. Attendez, je réfléchis. Maintenant qu'on est un peu tranquille. Il n'y a pas d'air, rien du tout. Il manque pas d'air. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas cette zone. J'ai des gens ici. Personne. Il n'y a pas moyen de monter plus haut. Yes. Il n'y a pas moyen de monter plus haut là. Si je monte là. Yes, c'est bon. Il y a peut-être moyen là. Ok. Ok. Après. Bah là-haut, non? Il est où ce moulin? Il est là, putain. Oh là 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 là. Mal au ventre, moi, avec tout ça. Hein. Comment on monte là-haut, là? Ah, ok, cool. Vas-y, remonte. Je suppose que c'est là. Ou là, plutôt. Hein. Fais le babouin, là. Vas-y, monte. Ok, yes. Putain, mais pourquoi il branle le stand là? Parce que c'est haut, c'est pour ça? Ok, cool. Quel enfer. Vas-y, on route la branlette. Non, c'est rien, tous. C'était du café, c'était du calvados. C'était pas du café, c'était du calvados. Ça nous fait un moulin en plus. Donc nous on est là. Là il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est loin. 60 mètres. Mais
mais 65 mètres. À peu près à la hauteur qu'on est. Il n'y a pas de vent d'ici là. Je suce mon doigt, je regarde le vent. À la voie que bas. Et voilà. 40 mètres au-dessus. Essayez de monter par là. Essayez. Parce que... Il est où ce moulinsme? Donnez-moi un moulinsme. Ok, cool. C'est pas un moulin. Générateur. Ok, cool. Ça nous en fait une de plus. Ah, mais des abysses. Ok, très bien. Là-bas, il y a une quéquette. As-tu vu la quéquette de la quéquette? Elle démarre de où, cette tyrolienne? On peut pas la prendre en route? Peut-être mieux la prendre depuis là-bas. Hein. Comment je monte là-haut? Allez, saute, Willy. C'est bien peur que ce soit mort ici. Hein. Puis là. Non. Ah, tu peux monter sur les pneus, là, non? Toujours pas, non? Bah, sinon, on fait ça. Yes! J'ai eu chaud, hein. Un des deux plus grands plaisirs de la vie. Je meurs d'envie de savoir quel est l'autre. Qu'est-ce que tu crois? Le doux, doux frisson du jeu, bien entendu. Ah ouais? Tu paries sur quoi? En ce moment, sur des jeux de cartes débiles. Quand le chef fait pas attention, c'était bien plus fou quand les traceurs nocturnes étaient dans les parages. Tu vois ce bloc de bâtiment là-bas? Il faisait des sessions de parcours entre eux. Oh, il fait chier que ça. Qui s'appelait... Attends. Hassan, Akan... Enfin bref. Ils testaient les nouvelles recrues sur leur habilité au grappin. Ils leur collaient de sacrés challenges à atteindre. Laisse-moi deviner. Toi et les autres faisiez des paris sur qui se ramasserait le premier. Exactement. Enfin bref. Tu sais comment t'amuser, toi, hein? Je t'aime bien. Au grappin. Hé, hey, tu sais quoi? Si on retournait s'amuser, comme dans le temps. Comment ça? Crois-moi ou pas, certaines de ces recrues ont réussi à terminer la session. Il y en avait même qui étaient pas mal douées. Et si t'essayais, pour voir si t'arrives à battre leur temps. Et moi? Ben, je prendrais les paris des gars à nouveau. Gagnant-gagnant, hein? Hé les gars, sortez les portefeuilles! Va y avoir de l'action par ici. Si ça te dit... T'as qu'à sonner la cloche. Elle est un peu poussiéreuse, comme tu peux voir. Ok, mais c'est un défi, quoi. Viens voir, je regarde. Ouais, c'est un défi. Fuck. Fuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On en a une baraque, là. La baraque, c'est ma... On va aller... On va prendre un peu d'air ici. Elle est où cette maison là? Ah mais c'est celle qui est là-haut non? On n'a pas pu tout à l'heure. C'est ça? On dirait. Hein. Écoute, on va aller atterrir là. Tranquillement. Maintenant, faut essayer de monter. Problème de monter. Le bah fuck. J'ai pas le temps. Là. Qu'est-ce que ça nous met nous ça? Plus bas. Hein. Ah cool. Très très bon ça. Conteneur
Ah d'accord, 10 mètres. Très bien ça. On en fait des zones, dis donc. Très bien, très bien, très bien. Fuck. Oh, il y a encore des abysses. Ok, après on a quoi? On n'a pas grand chose avec rien. Là il y a métro, mais il est loin le con. Ah là il y a ça aussi. Ah oui, mais c'est ce qu'on a vu. Ah, c'est le camp de bandits. Ah, tout seul, c'est chaud quand même. Là il y a le métro par contre, mais le métro c'est chaud aussi. À combien qu'on est? 25 minutes. Défi visite en parapente. D'ailleurs qu'on aille voir ça, après on arrêtera là pour aujourd'hui. Tu peux te prendre après ça ou pas? Mon cul? Ah oui, c'est pour courir sur le mur. Et moi je cours pas sur les murs. Parce que j'ai pas assez de force, mais... Tu sais ce qui me manque le plus? Te battre pour survivre chaque jour te donne pas assez d'adrénaline? Tu sais ce qu'on dit? L'adrénaline, c'est pour combattre ou s'évader. C'est l'évasion qui me manque. Du genre, fuir? Non, mec. Plutôt s'évader dans le ciel. Dernièrement, il n'y avait que la One qui savait voler dans cette ville. Puis, tu as débarqué. Tu fais du parapente? Alors pourquoi ça te manque de voler? Tu peux encore en faire? En fait, je faisais de la chute libre. Et c'est cette sensation de voler qui me manque. En fait, c'était galère de bouger dans la ville dans un costume d'écureuil avec des virulents sur le dos. Donc, avec mon équipe, on a développé ce parapente ultra léger et pratique qu'on peut utiliser sans équipement supplémentaire. Les traceurs nocturnes ont tout de suite adoré et voulaient apprendre à voler. Donc, je leur ai conçu une piste d'entraînement. On appelait ça « tourisme en parapente ». J'ai trouvé le spot parfait, loin de la tour VNC, loin de la cathédrale Saint-Paul, et assez loin du Missy, afin que leur vigie ne nous gâche pas le plaisir. Ils étaient comment? Plutôt nuls. Sauf la One. Elle s'en est sortie comme un aiglon tombé du nid. Mais j'ai toujours le record. Si tu veux me battre et t'amuser en l'air, ne te gêne pas. Vas-y, prends le parapente. Ouais, ben c'est un défi, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, monsieur dame. Qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? T'es malin de venir ici. Pas grand-chose qui m'intéresse. Donc, on verra ça plus tard. Ça fut un plaisir. Du coup, on arrête là pour aujourd'hui. Une petite vidéo... Enfin, vidéo plus petite que d'habitude, mais je suis tout seul, donc voilà. Du coup, on se retrouve probablement samedi pour la suite. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.